Как мы и обещали, сегодня в нашей программе вторая часть репортажа нашего спецкора Александра Рогаткина из Центральной Африканской Республики. Сейчас это, вероятно, самое опасное место на планете, где корова ценится дороже, чем человеческая жизнь. Где по улицам разгуливают до зубов вооруженные люди, а европейцы без охраны вообще лучше не высовываться из гостиницы. Новые впечатления Александра Рогаткина из самого сердца Черной Африки – прямо сейчас. Nous sommes ici dans un point emblématique de Bangui en Centrafrique où l'équipe de grands reporters est arrivée ce matin. Nous sommes ici pour vous montrer une Centrafrique que les médias français occidentaux ne vous montrent jamais. La Centrafrique n'intéressait personne il y a encore deux ans. C'était un petit état failli, une des séquelles de la chute de la Jamaïque en Canada. C'est aujourd'hui un état central en Afrique. C'est le pivot de l'implantation du Centrafrique. C'est le point central de la concentration et de la confrontation entre Paris et Moscou. C'est aussi le pays d'un président qui a décidé de rebâtir une république moderne avec un futur et un avenir, le président Mandela. Bonjour Monsieur le Président. Tout d'abord, un grand merci pour votre accueil de l'équipe de Grand Reporter en Centrafrique. Grand Reporter, c'est une émission qui vient dans des pays généralement à problème. Nous avons fait notre première émission en Syrie en 2013. On a été trois fois en Syrie. On va dans des pays à problème et voir un peu la distance entre la réalité et ce que disent les médias occidentaux. Je ne vous cache pas que je suis régulièrement interpellé par ce qu'on raconte dans les médias français, les fake news, les fausses fake news, mais qui en fait sont de la déstabilisation de votre pays. Donc je vous remercie de votre accueil. Nous sommes allés un peu partout dans le pays. On est allé à plusieurs centaines de kilomètres, à Gribari par exemple, à plusieurs centaines de kilomètres. Je peux dire une première chose quand même, c'est que tout ce qu'on raconte, le pays qui n'a pas de route, elles ne sont peut-être pas parfaites, mais on circule. Il n'y a pas de coupeur de route, comme ils racontent, il n'y a pas de choses comme ça. Nous allons aujourd'hui parler de votre actualité. Votre actualité, c'était il y a quelques jours le sommet Russie-Afrique à Sotchi. Vous avez été une des grandes vedettes de ce sommet. Et la Centrafrique, dont on ne parlait pas il y a trois ans en géopolitique, c'est devenu un pays central. Les Américains disent que c'est le pivot de l'expansion russe en Afrique. Et au milieu de tout ça, il y a un président qui est arrivé modestement au pouvoir. Quand vous êtes arrivé au pouvoir, Jeune Afrique disait que vous n'alliez pas faire un an. Et finalement, vous apportez véritablement un bouleversement géopolitique en Afrique. Comment avez-vous vécu Sotchi? En tout cas, je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à la République centrafricaine. Je pense que nous allons profiter de votre plateau pour parler de la République centrafricaine. Vous avez parlé de fake news, des informations fabriquées. Effectivement, nous sommes centrafricaines, fait l'objet de beaucoup de ce type d'informations qui dénaturent les réalités politique, économique et sociale du pays. C'est vrai, nous sommes, il y a des grands défis. Le pays a connu des moments difficiles et nous sommes en train, avec la résilience du peuple centrafricain, le soutien de la communauté internationale, nous sommes en train de travailler pour sortir de cela.
Mais comme vous l'avez mentionné, beaucoup de médias veulent continuer à nous maintenir dans cette dynamique alors que il y a une volonté manifeste de la population, du gouvernement, de nous-mêmes, de sortir, de tourner les pages. Alors tout récemment, on était assoutis au sommet Russie-Afrique. Et je pense que vous avez dit que nous sommes la vedette. Non, il y a 47 chefs d'État qui étaient à ce sommet avec la Russie, la Russie africaine aussi. Par notre présence, a participé à ce sommet pour justement présenter la voix de la République centrafricaine, mentionner aussi la coopération que nous entretenons avec la Fédération de Russie. Il faut dire que cette coopération ne date pas d'aujourd'hui. Elle date des années 60, depuis l'Union soviétique. Nous avons ici à Bangui une des plus grandes ambassades, qui est celle de la Fédération de Russie. Mais tout récemment, depuis 2017, nos relations se sont accrues parce que la Fédération de Russie a bien voulu, dans notre contexte de sécurité, donner, et ceci gracieusement, des armes pour permettre à nos forces de remplir correctement leur mission. C'est cette nouvelle armée que nous voulions reconstruire, que nous sommes en train de reconstruire, avait besoin de ces moyens. Nous sommes encore sous embargo. Et donc il est difficile pour nous de nous approvisionner là. Il faut passer par les procédures telles que édictées par le Conseil de sécurité ou le comité de sanctions. Mais à travers cela, la Fédération de Russie, après sollicitation du comité de sanctions, nous avons une levée partielle des armes et la Fédération de Russie nous a octroyé des armes et gracieusement, ce qui permet aujourd'hui à nos forces de défense d'être déployées aux côtés de leurs frères d'armes de la MINUSCA pour la sécurisation de nos populations et des institutions. Donc, ce que racontent les médias français, que ce qui intéresse la Russie, c'est de venir vendre des armes en Afrique, c'est pas le cas finalement ici, puisqu'ils vous les donnent. Mais honnêtement, vous voyez la situation de la République centrafricaine, nous sommes en programme avec le Fonds monétaire international. Il y a beaucoup de revues. Nous avons un budget qui est tout à fait clair. Dans le contexte actuel, c'est un don de la Fédération de Russie en direction de la République centrafricaine. C'est passé par le Conseil de comité de sanctions qui a levé partiellement l'embargo pour que nos forces disposent des moyens d'action. En dehors de ça, ce n'est pas question de vendre des armes. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et là, on remercie la Fédération de Russie. Sans ça, aujourd'hui, nous aurons du mal à déployer nos forces aux côtés de la MINUSCA pour la sécurisation du pays. За полтора года российские инструкторы подготовили более 3000 бойцов Центральноафриканской Республики. Тренировки на базе в Беренго идут каждый день. Зеленый пошел! Разряжай оружие к осмотру. Ну вот это примерно отстреливается в течение недели бойцами ФАКа. Все хорошо сделали, в принципе, молодцы. Вместе с полицейским патрулем выезжаем в рейд по окрестным деревням вокруг Буали. Их еще совсем недавно терроризировали группировки. Lors de votre rencontre avec le président Poutine, vous avez demandé des armements lourds et, d'après certains médias, des blindés légers de transport de troupes. Expliquez-nous. Oui, mais vous savez, les armes que nous avons reçues, nous sommes sous embargo. Oui. Toutes les armes en direction de la Russie font l'objet de levée partielle par le comité de sanctions. Et les armes que nous avons reçues pour nos militaires, eh bien, c'est des armes d'assaut et des armes de calibre inférieur. Maintenant, nous avons formé, grâce
à la mission EUTM, plus de 3000 militaires. Union européenne. L'Union européenne, de l'EUTM, une mission de l'Union européenne, pardon, formée de 3000 militaires. Et ces militaires ont aussi subi donc une formation pour la manipulation des armes fournies par la Fédération de Russie. Aujourd'hui, ça veut dire plusieurs bataillons qui sont déjà opérationnels. Et nous n'avons que des armes de calibre inférieur, de petit calibre. Il nous faut, et je crois que c'est dans le dispositif d'une armée normale, que nous ayons tout type d'armement leur permettant de remplir leur mission. Et je ne comprends pas que le fait que nous demandions, puisque la Fédération de Russie a accepté de nous donner gracieusement les armes d'assaut telles que prévues, aujourd'hui il y a eu un allègement jusqu'aux armes de 14.5. Et puis les autres, toujours par levée partielle au niveau du comité de sanctions. Eh bien, pour donner les moyens à nos forces de défense, pour remplir correctement leur travail, nous avons besoin des blindés légers et des armes lourdes par rapport aux dispositifs militaires pour permettre à nos forces d'être vraiment opérationnelles sur le terrain. Ce n'est pas pour aller faire la guerre, mais ça leur permet de faire correctement leur travail. Et je crois que ce sont des dispositifs dont toute armée, il y a, quand vous avez par exemple une section, eh bien, il y a les armes qui vont avec. Si vous avez un bataillon, il y a des niveaux d'armes qui vont avec. Et aussi, si vous avez plusieurs, c'est une armée. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir construire, suivant le plan national de défense, avoir des zones de défense. Mais il nous faut les moyens létaux pour permettre à ces forces d'être opérationnelles sur le terrain. Sinon, comment on va faire? C'est une armée que nous sommes en train de construire. Une armée légitime, légale. Hein. C'est une institution nationale. Alors, doit disposer des moyens prévus dans ce contexte. Nous demandons à la Fédération de Russie si elle accepte, comme elle l'a fait pour les armes légères et autres, que d'équiper nos forces, eh bien, ce n'est qu'une demande. Mais cette demande aussi est en direction de tout autre partenaire qui accepterait de nous fournir ces moyens létaux pour nos forces. Parce que vous savez, complètement notre armée s'était effondrée pendant les événements. Il n'y a plus rien. Les poudrières ont été vandalisées. Il n'y a plus rien. Les armureries n'existent plus. On est en train de reconstruire tout ça. Et donc il faut les équiper. Et là, ça nécessite beaucoup de moyens. Donc nous sollicitons nos amis, les amis de la République centrafricaine, les amis du peuple centrafricain, ceux qui peuvent le faire. Et nous avons fait cette demande auprès de la Fédération de Russie. Nous pensons que c'est normal. Et que s'il y a une réponse positive, ça permettrait à nos forces d'avoir les équipements. Bien d'autres pays aussi nous appuient dans ce cadre-là. Avec d'autres types de matériel et autres. Moi, nous trouvons que c'est légitime que nous puissions faire cette demande à un pays ami, la Fédération de la Russie. Jusque maintenant, quelles ont été les réactions à votre appel, à votre demande plutôt? Eh bien, nous avons une réaction favorable du peuple centrafricain et de l'armée nationale. Et d'ailleurs, qui ne demande que ça? Je voulais dire au niveau international. Bon, il y a des surtout la presse. Voit de manière interprète autrement, déforme les propos. Nous avons vu un certain nombre de journaux dire qu'il y a une base militaire russe ici en Centrafrique. Il n'y a pas de base militaire ici. Il n'y a que des instructeurs russes qui forment ici à Beringo des Centrafricains à l'utilisation des armes et qui, dans un certain nombre de missions, les accompagne pour voir comment les choses se passent sur le terrain. Il n'y a pas de base. Et vous voyez, des gens poussent jusqu'à dire qu'il y a une base. Alors qu'il n'est pas question de cela. C'est des informations déformées pour, je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de violence. Hein, et nous, le peuple centrafricain, est en train de revenir vers la paix. Nous avons signé un accord. Les gens doivent nous accompagner. De ne pas continuer à enfoncer ce pays
qui a trop souffert, la population a beaucoup souffert et a besoin de se reconstruire, d'avoir toutes les institutions, y compris l'armée nationale, hein, et qui est même réclamée par la population. Et donc cette armée a besoin des moyens. Comme toute armée, ce n'est pas pour faire la guerre. Demander des armes lourdes, je crois que c'est tout à fait légitime. Et alors donc, cette demande est soutenue par le peuple centrafricain, par l'armée nationale, par les élus du peuple. Mais nous ne comprenons pas que certaines voix se lèvent par-ci, par-là, pour contester, je ne sais pas. Je peux en témoigner parce qu'on a dialogué avec des jeunes à Grimari, par exemple. Toutes leurs questions, c'était la reconstruction de l'armée. Et beaucoup, beaucoup vous faisaient une critique, parce qu'on a quand même pris, c'était justement que c'était difficile de rentrer dans l'armée centrale, dans les FACA. C'était ça la critique, ce n'était pas que ce sont là, voilà. Non, il y a beaucoup de jeunes centrafricains qui veulent s'engager dans l'armée. Vous savez, nous venons de faire un recrutement de 1024 nouvelles recrues. Mais il y a plus de 15 000 candidatures. Et ce recrutement a été organisé par la MINUSCA, et nous avons été aidés par la MINUSCA, par l'EITM pour le recrutement. Mais alors, 1000, pour 1000 places, il y a 15 000 candidatures. Eh bien, vous voyez, et donc il y a plus de 13 000 qui n'ont pas pu avoir accès, donc, beaucoup se plaignent. La preuve que la vie et les affaires reprennent en Centrafrique et à Bangui, c'est cette station-service. C'est le Camerounais Tradex auquel j'avais consacré une émission l'année dernière qui s'appelait Tradex contre Total. Tradex a ouvert 7 stations-service pendant que Total n'en a ouvert que 5. C'est la preuve que la Centrafrique, elle n'a pas besoin de la France pour se développer. Elle a besoin de partenariats africains. Elle a besoin d'investisseurs africains. Vous voyez ici, non seulement une population qui vient s'approvisionner en essence, mais vous voyez qu'il n'y a pas les pénuries dont on vous parle tant dans les journaux français. Tradex, c'est une des sociétés dont l'Afrique peut être fière. C'est l'avenir d'une Afrique des carburants indépendants. Il n'y en a pas beaucoup. Moi, ce que je vous souhaite, c'est qu'ici, on fait appel pour mon pays. Honorable, merci de nous recevoir ici à l'Assemblée nationale. Je voulais parler un peu avec vous de la politique en Centrafrique. C'est peut-être la question sur laquelle il y a le plus de désinformation. Si vous écrivez « Jeune Afrique, c'est tout juste si le pays est ingouvernable », lorsque le président Touadéra a été élu, on a dit qu'il n'allait pas durer un an, qu'il ne pouvait pas gouverner puisqu'il n'avait pas de majorité parlementaire. Comment cette majorité s'est-elle finalement structurée ? Mais je vous remercie. C'est généralement pour nous un plaisir d'accueillir toute personne de bonne volonté qui vient aider la République centrafricaine à présenter sa vraie image, parce qu'il s'agit de ça. Je suis d'accord avec vous que tout ce qu'on dit de la RCA, c'est un pays ingouvernable, c'est un pays qu'on ne peut pas fréquenter à cause de l'insécurité, à cause de ceci, à cause de cela. Mais la réalité est là, la vérité est là. C'est vrai, lorsque le président était élu au début, tout le monde pensait cela, qu'il n'allait pas durer parce qu'il n'a pas de majorité. Mais la vérité est que quand on allait au second tour, tous les partis politiques, tous les candidats à l'élection présidentielle
avait rallié le président de la République. Et donc, à partir de là, je peux dire que c'est le peuple sud-africain qui avait rallié le président de la République. Le second tour a été plutôt un plébiscite. Vous allez me poser la question de savoir pourquoi, mais vous savez, le président de la République avait déjà été recteur. Et il a conduit l'université, le temps qu'il était recteur, il y avait plus de grèves à l'université. Or, nous étions habitués à une série de grèves à l'université. On n'arrivait pas à finir les années à l'université. Mais pendant qu'il était recteur à l'université de Bangui, il n'y avait plus de grève. Deuxièmement, le président de la République a été premier ministre pendant 5 ans. Et il a été nommé premier ministre dans des conditions particulièrement difficiles et délicates. Parce qu'avant lui, les salaires n'étaient pas payés. On avait des arriérés de bourse, on avait des arriérés de pension. Et lorsque le président a été nommé premier ministre, comme par miracle, les salaires étaient payés chaque fin du mois. J'ai, moi, depuis plusieurs jours, on me fait visiter le pays. On est allé très loin, à Gribari, par exemple. C'était des zones où on se battait encore il y a 2 ans. On voit quand même une population apaisée. La reconstruction de la République est en cours. Elle est en cours. Je suis heureux que vous m'annonciez que vous avez fait le terrain. Vous étiez sur le terrain. Parce que justement, soyons des Centrafricains responsables. Regardez là où les forces de sécurité intérieure sont déployées. Là où les forces de sécurité nationale sont déployées avec l'appui de la MINUSCA, il y a une amélioration qu'il faut noter. Il y a toujours une amélioration. Dans les zones où se trouvent déjà les forces intérieures, avec l'appui de la MINUSCA, et la population commence à retrouver la quiétude. Et c'est ce que nous demandons, quand nous demandons la levée totale de l'embargo, c'est pour permettre à ces forces de couvrir, d'être déployées sur l'ensemble du territoire centrafricain. C'est de là, justement, que la Centrafrique sera au stade vraiment du renouveau. Même sur France 24, vous savez qu'il tient un journal Afrique, il y a un expert qui a dit il n'y a que Touadéra qui est capable de piloter un safari. Mais c'est vrai, c'est pas faux. C'est vrai, c'est pas faux. Touadéra, c'est le Messie centrafricain. C'est le Messie centrafricain. Et ça, le peuple le connaît. C'est le seul qui va vers le peuple. Le lycée de Barthélemy de Blandin, au cœur de Bangui.
Je voulais saluer la mémoire d'un grand panafricaniste qui a essayé de dégager son pays, déjà c'était dans les années 60, de l'emprise de la France, un peu comme on le fait aujourd'hui, et Boganda l'a payé d'un destin tragique. Hommage et respect à un grand panafricaniste. Nous voici dans un autre lieu emblématique de Bangui. Ce sont les anciens présidents de Centrafrique. Ils résument un peu le drame de la Centrafrique elle-même, c'est-à-dire ce cœur du précaré français. Le malheur de la Centrafrique, il a commencé avec Jean-Bédel Bokassa. Lorsque la Légion est venue changer le régime, ça a été une longue série de présidents d'interventions françaises. Ça s'est terminé avec l'arrivée de Sangaris. Sangaris a terminé sa mission. On annonce des victoires, mais les Centrafricains ne l'ont pas vu. Alors, trois des ravins. Alors, la reconstruction commence. По-царски. В 70-е годы прошлого века он объявил себя императором и возложил на себя бриллиантовую корону стоимостью в 5 миллионов долларов. Коронация обошлась стране в четверть годового бюджета. Был заказан золотой трон в виде орла, арабские скакуны и Роллс-Ройс. Французский президент Жискар Д'Эстен называл Бокассу своим другом и любил ездить к нему на охоту. Но слухи о его людоедстве и расправах с оппозицией вынудили французов совершить переворот. Бокасса скрывался, его заочно приговорили к смертной казни. Как только русские появились в ЦАР и повесили плакаты по всей столице, разъясняющие цель своей миссии, французы тут же ответили контрпропагандой и залепили остальные бильборды улыбчивыми солдатами в натовской форме, готовыми в любой момент подставить африканцам свое надежное плечо. Американцы тоже были вынуждены прислать своих агентов, которые даже не скрывались. Parlons parler de ce qui pour moi est le grand problème de la Centrafrique, c'est que vous êtes un pays qui devrait être riche, production de diamants, production d'uranium, terres rares, etc. Et on est dans un pays qui est privé de ses ressources, qui a des problèmes d'infrastructure, que vous avez commencé à reconstruire, on construit un peu partout à Bangui, des ministères qui étaient laissés à l'abandon depuis des dizaines d'années ont été rebâtis. Il y a au milieu de tout cela une législation des Nations Unies, qu'on appelle la loi des Blue Diamonds, ou les diamants d'hier. Je sais que vous êtes venu, nous en avons déjà parlé, vous êtes venu notamment à Anvers essayer d'arranger. Comment le dossier avance? Comment... Pensez-vous, franchement c'est ma question, pensez-vous arriver à faire lever cet embargo? Ben, nous demandons justement à ce que cet embargo puisse être levé, parce qu'aujourd'hui les objectifs poursuivis
par cet embargo ne sont pas atteints. Bien au contraire, la République centrafricaine ne gagne rien au niveau des ressources, au niveau du trésor, ne gagne rien, ne perçoit rien au niveau du diamant. Bien qu'on voit que le diamant, pour la plupart, ces diamants sortent par des voies frauduleuses, en partie à cause de l'embargo. Alors, nous pensons qu'à l'heure actuelle, il faut lever cet embargo. Mais nous ne sommes pas restés là. Nous avons fait des réformes pour justement lutter contre ces fraudes, ces sorties frauduleuses de diamants centrafricains. Nous avons plusieurs mesures, par exemple des mesures d'ordre fiscal. Nous avons fait baisser les taxes. Dans le prochain budget, les taxes vont baisser de 12% à 4%. Nous allons prendre des mesures sur la sécurisation, c'est-à-dire créer des polices minières et travailler. Nous allons prendre aussi d'autres mesures parce qu'il faut augmenter, pour les bureaux d'achat qui sont là, il faut augmenter leur plafond d'exportation pour que tout le monde puisse exporter. Ceux qui n'atteindront pas ce niveau d'exportation, on pourra retirer leur licence. Je pense que des mesures de ce type permettraient de réduire les fraudes et de faire profiter, de la République africaine des taxes prévues dans ce cadre-là et suivre un peu. Mais aujourd'hui, il y a des zones qui maintenant remplissent les conditions pour être des zones vertes, mais ne sont pas encore. Donc nous demandons à ce processus d'avoir un regard sur la République centrafricaine. Parce que les mesures qui sont prises ne font que favoriser la fraude. Donc ces mesures-là sont inefficaces. Donc pour nous, nous demandons à ce que cet embargo sur les diamants, dans le cas de processus de Kimberley, soit levé. Soit levé pour tout au moins dans les zones où les zones vertes, par exemple à l'ouest, ou Berberati et autres. Donc on doit élargir. Cette demande a été formulée, mais jusque-là, on n'a pas de réponse claire. Mais nous travaillons sur des réformes pour que le secteur soit attractif et pour que lutter contre la fraude et faire profiter le trésor des fruits des diamants qui sont exportés. Et bien entendu, ce que nous avons dit, nous invitons donc des investisseurs à venir investir dans ce secteur-là, parce que jusqu'à présent, l'exploitation du diamant centrafricain se fait de manière artisanale. Ce n'est pas une exploitation industrielle, bien qu'il y ait des indices de Kimberley par là, mais il n'y a pas une exploitation industrielle. Et nous demandons aux investisseurs du secteur de venir investir en République centrafricaine pour développer ce secteur. Et au niveau de l'Union européenne, et en particulier de la Belgique, puisque l'une des grandes places avec Johannesburg de la vente du diamant, c'est Anvers, est-ce que la Belgique réagit pour réglementer justement l'exportation quasi mafieuse du diamant centrafricain? Écoutez, c'est un non centrafricain de voir dans quelle mesure, quelles sont les mesures à prendre pour lutter contre les sorties frauduleuses. Et je crois que nous avons besoin de soutien de nos partenaires pour freiner ces fraudeurs-là. Nous discutons, comme vous l'avez mentionné tout au début, nous avons été à Anvers parler aux acteurs du secteur pour expliquer la situation, pour demander leur soutien, leur expertise, de venir nous aider dans ce cadre-là et présenter les nouvelles mesures que nous venons de prendre. Comme je voulais mentionner, d'abord sur le plan de la fiscalité, on a vraiment réduit, on est passé de 12% à 4% pour qu'il n'y ait pas de raison que les gens exportent frauduleusement le diamant. Mais nous allons aussi des mesures coercitives, c'est-à-dire lutter contre les fraudeurs. On va créer des brigades minières qui vont travailler dans ce sens-là. Et aussi des mesures pour encourager c'est-à-dire ceux qui exportent le diamant, c'est les bureaux d'achat. Il faudrait qu'ils fassent l'effort pour exporter à un niveau donné. Ceux qui n'ont pas la capacité, il faut qu'ils laissent la place aux autres.
hein, et qui passe par la voie. Donc on va monter le plancher du niveau d'exportation par, par bureau d'achat. Donc ce sont ces mesures-là, nous pensons que ce sont des mesures justes et légitimes pour permettre de réguler et de lutter contre la fraude dans ce secteur. Mais nous demandons à nos partenaires, aux pays amis, de nous aider. Hein, de nous aider parce que les sorties frauduleuses partent d'abord par ici. Donc si nous réglons le problème de manière interne, je pense que, mais aussi la contribution de certains pays amis pour nous permettre de lutter contre ces sorties illicites. На столичный аэродром Центральноафриканской Республики приземляется очередной российский ИЛ. Транспортные самолеты встречают с оркестром, правительственной делегацией и под контролем ООНовских инспекторов.
Поставки стрелкового оружия идут с разрешения Совбеза ООН. Со стороны частично сняли санкции, введенные из-за гражданской войны. Структуры военные и безопасности были разрушены в ходе этого кризиса. И властям пришлось практически с нуля восстанавливать их. И в этом процессе восстановления Россия сыграла, можно сказать, важнейшую, первейшую роль. В ящиках ручные пулеметы, автоматы Калашникова и даже знаменитые трехлинейки. Vous avez ici, comme vous voyez, un quartier paisible. Contrairement à ce qui se raconte, bonjour, bonsoir. Bonjour, monsieur. Vous voulez quoi alors? Moi, je viens voir, écoutez, c'est très simple. On m'a dit, ici, quand vous lisez les journaux français, on vous dit, Bangui est à feu et à sang. Moi, je suis venu voir que c'était pas vrai. Non, le problème est simple. J'ai rencontré votre président tout seul, je l'ai interviewé. Mais si vous voulez m'interviewer, je vais pas parler. Le problème est simple. Oui, attendez. La Centrafrique, c'est un pays plus riche dans le monde. On a tout ici. On a 418 minéraux ici. Il y a le pétrole, il y a le mercure, il y a le fer et tout. Mais notre problème, c'est la France. La France ne veut pas
pas que nous exploitons quelques richesses de notre pays. Le pays vit par la fiscalité. Le chef de l'État se débat beaucoup pour payer les fonctionnaires. On n'a pas de ressources. On a le pétrole ici. Quand on veut exploiter le pétrole, la France dit non. Quand on veut exploiter le fer, la France dit non. Notre problème, c'est la France. C'est la France. Il faut que la France nous laisse tranquille. Vous comprenez, non, madame? Madame, comprenez. Le problème de la RCA, c'est le pays colonisateur. C'est notre papa, la France. La France nous laisse tranquille. Hein? On veut grandir. Hein? On veut grandir. On veut être en avant. Mais la France nous bloque la voie. La France ne veut pas que nous exploitons le pétrole. Nous avons beaucoup de pétrole ici. Mais c'est la France. La France nous laisse tranquille. Hein? La France nous laisse tranquille. Certaines victimes d'inondations sont toujours campées dans les locaux de l'ancienne Socada. Quelques-unes viennent prendre quelques photos. Sous un arbre, d'autres suivent les travaux des tentes financées par le gouvernement pour leur abri. Désemparés, les victimes retrouvent l'espoir avec l'arrivée des kits constitués du sucre, des cahiers, de l'huile, de l'eau potable, des bâches et bien d'autres. Un don de Augustin Agou, président du parti La Renaissance pour le Développement. L'amour ne détruit jamais. C'est un signe d'amour fort que nous avons décidé de lancer à l'endroit de nos frères qui sont en difficulté aujourd'hui. Mais nous avons amené des kits et les bâches pour aider nos frères parce que la pluie continue encore. Ils peuvent se protéger avec les bâches. Il y en a une centaine. Nous avons également amené de l'eau potable parce qu'ils sont à côté du fleuve. Et vu la situation, pour éviter la diarrhée, pour beaucoup de maladies, on a préféré amener suffisamment d'eau qui peut boire. Nous avons amené également un peu de nourriture pour permettre de manger un peu, accompagner.
C'est ça que je voulais voir, que ce qu'on raconte dans les médias français, vous n'êtes pas en train de vous massacrer. Quand on lit Jeunes d'Afrique, on dit que toutes les semaines on se bat quelque part. Moi j'ai vu un pays, je suis ici depuis 4 jours, j'ai vu des gens apaisés, des marchés, des gens qui faisaient la fête, parce que ça compte également, mais j'ai vu aussi un pays qu'on a pillé, volé. Vous ne vivez pas comme vous devriez vivre. On produit du diamant ici, on produit du pétrole, on produit des terres rares, et tout ça, ça vous est volé. Par les Français, les Américains, les multinationales. Et ça, ça doit changer. Vous avez un président qui a choisi ça. Touadéra, c'est un grand président. Moi, je vais parler franchement parce que je n'ai pas la langue de bois. Je pense que c'est la première fois que vous avez un président vraiment honnête. Et il faut qu'il puisse continuer, redresser le pays, continuer à vous approprier vos richesses. C'est pas normal dans un pays où on produit le diamant, que le diamant il est volé à 95%. 95% c'est vendu en Belgique, c'est vendu en Afrique du Sud. Et vous, vous êtes dans des villes où il n'y a pas internet, où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas de route. On a vu des routes ici, des pistes entre deux grandes villes. C'est ça qui doit continuer. Touadéra, c'est quelqu'un qui veut rebâtir la Centrafrique. C'est ça que je suis venu, pas seulement constater, mais soutenir. Parce que moi, je suis quelqu'un d'engagé, je suis panafricaniste. Vous connaissez tous, je pense, au moins deux noms Afrique Média. Nous sommes mobilisés pour la défense de l'Afrique et nous soutenons les présidents panafricanistes. Des gens comme Touadéra, Idriss Déby Itno, ou bien des gens qui font avancer leur pays. Ici, j'espère, quand je reviendrai dans un an ou deux, que tout aura commencé à changer. Il y a déjà des choses. Quand vous allez à Bangui, Bangui, on est en train de reconstruire des bâtiments qui ont été détruits depuis 40 ans. Il y a des ministères rebâtis, etc. Et à côté de ça, il y a, vous allez dans des grandes villes françaises, par exemple, avec des bâtiments en ruine et des choses pareilles, parce qu'ils ne sont là que pour prendre, ils n'apportent pas au pays. Dans Bangui, il y a cette Radex, les Camerounais qui font des stations-service. C'est pas normal, c'est Total qui devrait faire ça. Voilà où on en est. Donc il faut continuer à soutenir cette œuvre parce que c'est votre avenir. Vous êtes tous très jeunes, comme toute l'Afrique. Il y aura, dans 50 ans, 85% des Africains vont avoir moins de 20 ans. Il faut que vous ayez un avenir. Et il faut des présidents qui se battent pour votre avenir. Je vous remercie en tout cas de votre accueil. Venu seulement, pas du tout pour parler, je suis venu surtout pour vous écouter. C'est lancé. Parce que vous avez à dire ce que le président a à dire. On va passer une interview dedans. Ce que les gens importants ici ont bien dit. Mais l'avenir, c'est pas eux, c'est vous. Vous avez 20 ans, vous avez 15 ans, visiblement, certains moins. Qu'est-ce que vous attendez? Oui. Merci de m'avoir donné la parole. Et la délégation du Bangui. La délégation de Bangui, la jeunesse de Grimari vous souhaite la bienvenue. Merci. Merci. C'est avec un grand plaisir que j'ai rencontré ce matin dans notre ville
Et nous avons beaucoup de difficultés ici, mais je vais essayer d'y parler un peu. Premièrement, nous, la jeunesse de la Waka, et précisément la sous-préfecture de Grimari, nous avons beaucoup de difficultés. Parce que dans notre pays ici, nous n'avons pas d'affrontement, pas de guerre, nous vivons en paix ici. Mais malheureusement, nous avons beaucoup souffert. Parce que dans notre pays, précisément à Grimari ici, nous n'avons pas de soutien. Par exemple, les ONG qui sont venues ici pour nous aider, on a un problème. Donc toutes les ONG qui sont venues ici par Grimari, ils sont traversés la ville de Grimari directement pour aller dans d'autres pays. Et nous avons beaucoup souffert ici, nous les jeunesses. Et certains de nos frères qui entrent dans les groupes armés, c'est-à-dire les anti-Balakaï, les Séléka, bon, ils ont pris leur conscience et de répondre aussi la paix. Et ils ont cessé leurs mauvaises activités, comme d'habitude, et reprennent leurs activités, c'est-à-dire cultiver les champs, faire le petit commerce, etc. Mais nous avons beaucoup de difficultés ici. Est-ce que le gouvernement pense qu'il y a aussi des gens au village? On ne sait pas. Nous ne sommes pas des animaux ici, nous sommes des personnes. Il y a aussi des personnes de pouvoir au gouvernement. Mais si c'est le jour des élections... Mais le gouvernement fait la route déjà. Oui. Un mot sur cette route. C'est pour le gouvernement aussi. Un mot sur cette route. Oui. Donc, nous demandons au gouvernement de nous aider beaucoup. Par exemple, ici, dans notre établissement, aussi, nous avons un problème. Nous avons un problème de bâtiment. Nous, la santé aussi, nous avons un manque de personnes qualifiées dans les domaines. Donc nous avons beaucoup souffert aussi. Nous avons des enfants ici. Mais qui va localiser cet enfant? Donc on a beaucoup de difficultés. Donc je vous prie de dire au gouvernement qu'il y a aussi des gens... Mais on est là. Oui. Nous déjà représentons le gouvernement. Si on vous avait abandonné, oui. On ne serait pas venu ici. Et moi je l'ai bien dit. Voilà. Que j'étais passé, j'avais rencontré des jeunes, je suis revenu. Oui. Mais vous devez quand même dire un mot, parce que la route, je crois qu'il fut un moment où cette route-là, que Grimari ou bien Bombari, était coupée de Bangui. Mais le président Touadéra est arrivé, ça fait combien de temps? Ça fait à peine 3 ans. Oui. Et 3 ans, vous avez maintenant une route. Maintenant, on peut quitter Grimari et mettre 3 heures, même pas 3 heures pour arriver à Bangui. C'est déjà un progrès. Ce que vous dites, les problèmes, même au niveau de Bangui, il y a des problèmes. Ça, c'est tout à RCA. Mmh. Oui, bien sûr. Je vous remercie avec votre proposition. D'autre part aussi, nous remercions au gouvernement parce qu'il a fait déjà des progrès. Mais, bon, peut-être hein, c'est le pays. C'est le pays. Comme nous sommes des Africains, on est toujours comme ça. On voit des routes... Pour quitter Bangui, Bombari, on peut seulement passer un jour. Auparavant, nous avons, même si la personne quitte Bangui pour aller à Bangui, il peut même faire 1 semaine, 2 semaines en route. Mais nous te disons merci aussi au gouvernement pour ce qu'il a fait. Mais notre souci est que nous, la jeunesse de Grimari, on souffre. On n'a même pas de personnes qui peuvent nous appuyer. Par exemple, je vous donne un exemple. On a lancé le test de recrutement pour les FACA ici. Il y a beaucoup de jeunes qui ont déposé leur dossier, mais personne n'a eu. Mais si nous avons quelqu'un pour nous soutenir là-bas, on va que tout va aller. Mais je vous remercie. Je m'appelle Monsieur Martial Wapita. Merci, enchanté. Merci. Bon. Aussi, à Tardi, tu disais, mais malgré tout, c'est quoi on dit là, malgré tout, c'est là qu'il y a un zo, en bas, moi, j'étais venu. Il va quand même bâtir, son appuyer d'abord. Là, si il y a un venu, un mundu, il y a un zo, ça, la quoi, il y a un zo, il y a un français, des colossaux, il voulait faire. Allez, t'es qui? Mais il y a un zo, il y a un zo, depuis. Et puis, t'es là, il y a un zo, il va bien que je suis préveillé. La mienne, son centre, elle va t'as un zo, elle doit la faire. Donc, il y a 3 zones, tu comprends tout. Donc, il y a même un bâtiment, il y a un zo, ni là, la politique du président, les bâtons, t'es déjà changé. Là, par ça, on est sur les déjà changé, zo. Na te solenga le gouvernement riche le gagne. Na te soko le goda le terrain dans tes noms va condamner un riche mingi. Jamon qui est or pétrolier quoi. Il va exploiter par parce que terrain il m'a gagné en français. Là politicien c'est pas d'or. C'est d'abord nous les politiciens. Parce qu'en gros, à zo agi 50 à 50 de zo à la mou. Je cherchais une fichier à l'âge officiel.
semaine sur ma page Facebook. Donc vous pouvez les récupérer facilement. Cadre des efforts pour la normalisation de la situation sécuritaire à Birao et conformément à son mandat, la MINUSCA a coordonné le lundi 14 octobre 2019 le départ de la ville de 14 ex-combattants des armées du FPRC, dont 8 étaient impliqués dans les combats des 1er, 2 et 14 septembre contre le MLCJ. Sur les 14 ex-combattants, 6 ont été relocalisés à Bria, tandis que les 8 autres, suspectés dans le cadre des enquêtes en cours, ont été remis aux autorités judiciaires centrafricaines suite à une requête du procureur adressée à la MINUSCA. J'ai été content aussi de vous voir. Mais moi aussi, hein. Mais on vous voit souvent sur les écrans, l'Afrique Média et autres. Aujourd'hui, je suis content. C'est un peu du bien. Michel, salut, au revoir. Salut, général. Oh, regarde. Ah. Eh bon, bonjour. Aïe, mortalisé. Je n'ai pas besoin d'un, mais toi aussi. Oh. Eh, dormeur. Hein? Silence. Tu penses bien? Oui. Ah, ça va, c'est bon. Excellent. Excellent. Rentrez-moi, là. Bien. Merci beaucoup. Non, mais moi, on va parler à Pétina, non. Hein? On va parler comme ça, une manette. À Nico, j'aurais comme ça, mais. Moi, mais j'en ai. On fait beaucoup avec ça. C'est vrai, non? Ok. Il est maintenant, avec les téléphones. Avec le téléphone, beaucoup, oui. C'est bien. Ben, on se retrouve, je vais le bombarder comme ça. On va se voir, on est là jusqu'à mercredi prochain. Jusqu'à mercredi. On va se voir. Thank you.
une dernière question qui va aller dans le sens de ce que vous venez de nous expliquer. Entre 2012 et 2015, l'État centrafricain s'effondre. Il explose littéralement. À un moment donné, on parlait même de sécession d'une partie du territoire. Où en est la reconstruction de la République aujourd'hui? Mais la République est en marche. La République est en marche. D'abord, le retour à l'ordre constitutionnel. Nous sommes aujourd'hui, les institutions qui ont été prévues dans le cadre des nouvelles constitutions sont mises en place, à part le Sénat, d'où il y a d'autres dispositions qui ne sont pas encore là. Nous travaillons pour la reconstruction de l'armée nationale. Vous voyez, avant, c'était une armée qui s'est effondrée, qui n'existait que de nom. Aujourd'hui, on a une planification pour les forces de défense et de sécurité. Nous avons un plan national de défense qu'on met en œuvre. C'est difficile. Heureusement, nous avons le soutien de nos amis de la communauté internationale. Nous sommes en train, nous avons mis en place, nous sortons de crise. Il fallait un accord politique avec les groupes armés qui détenaient encore les armes. Il faut aller vers le désarmement. Nous avons aujourd'hui un accord politique de réconciliation et de paix. Alors, nous demandons à tous nos compatriotes de soutenir cet accord qui va nous amener vers la paix, le désarmement. Et avec toutes ces dispositions, le gouvernement s'est engagé, va tenir ses engagements. Et nous demandons à nos compatriotes des groupes armés d'en faire autant. Et que nous allons tous vers la paix et la cohésion sociale. Le peuple a trop souffert, a beaucoup souffert. Sur le plan économique, nous avons mis en place depuis 2016-2017 un plan national, le RCPCA, pour la réconciliation et la paix. Ce plan se déroule très très bien, a été soutenu par la communauté internationale qui nous appuie, et ce plan se déroule très bien. Nous avons, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, un programme avec le fonds qui s'est bien terminé. Nous sommes en train de discuter un nouveau programme. Nous avons le soutien de pratiquement toutes les institutions de Bretonou, la Banque mondiale, le Fonds monétaire, la Banque africaine de développement, l'Union européenne. Je pense que le pays se reconstruit. Il y a encore beaucoup de défis. Ce que nous demandons, au lieu de continuer à nous enfoncer et de dire des choses négatives sur le pays, c'est de venir de dire la réalité, de nous aider à progresser. Nous avons une jeunesse qui, parce que la plupart de nos populations, c'est des jeunes, 60 à 70% de nos jeunes. Donc aujourd'hui, on doit travailler dans les secteurs sociaux de base, notamment dans l'éducation, dans la santé. Et vous savez, nous avons beaucoup progressé. Par exemple, depuis plus de 15 ans, notre taux de couverture vaccinale était de 50%. Mais en une année et demie, nous sommes passés à 74%. C'est important. Aujourd'hui, nous investissons davantage sur l'éducation. Et nous travaillons également sur l'administration. Vous savez, depuis très longtemps, notre administration, elle est vieillissante. Et beaucoup de jeunes qui ont eu des diplômes ne sont pas intégrés, qui ont fait des écoles de professionnelles et tout ça, ne sont pas intégrés. Nous avons pris la décision d'intégrer en 5 ans 5000 jeunes. Nous en avons intégré 1524 en 2017, 1500 en 2018. Cette année, nous allons intégrer 1300 dans la fonction publique, rajeunir. Et tout ça, principalement les secteurs sociaux de base, notamment l'éducation et la santé, sont privilégiés. Et il y a d'autres secteurs aussi, notamment l'agriculture et autres, pour relancer l'agriculture. Donc, parce que notre pays, la population vit principalement de l'agriculture, surtout dans l'arrière-pays. Donc il faut aider, développer ces secteurs-là pour permettre à nos populations. Alors, vous avez mentionné les routes. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour qu'il y ait un désenclavement interne. C'est difficile, vous savez, construire une route, ce n'est pas facile, surtout pour notre économie qui est faible. Pour un pays enclavé. Voilà, nous continuons à le faire. Il y a des défis, ça on ne peut pas le cacher, mais il y a des avancées.
Et on doit nous encourager, on doit aider, et que nous demandons à nos populations de se mobiliser autour de notre programme, notre plan de relèvement et de consolidation de la paix, et de se mobiliser autour du plan national de défense, de soutenir leur armée nationale, et aussi de contribuer au développement par leur travail. Et nous savons que le peuple centrafricain est un groupe travailleur, et je pense que si on met les moyens, je pense que les conditions, je crois que nous allons d'ici là avoir un pays qui est prêt. Nous avons beaucoup de potentialités. Vous savez, il pleut beaucoup ici. Il y a 15 millions d'hectares de terres arables. De quoi faire, de quoi nourrir même une bonne partie de l'Afrique. Mais il nous manque la technologie, il nous manque certaines choses, surtout les ressources financières pour pouvoir développer des projets. Mais nous avons confiance aujourd'hui, beaucoup de partenaires qui viennent, qui commencent à voir avec le retour de la paix, je pense qu'il y a des partenaires qui viennent. Donc je peux dire que le pays est en marche. Il y a beaucoup de défis, mais le défi pour tous les pays, c'est la même chose. Je vous remercie, Excellence. C'est moi qui vous remercie. C'était Luc Michel depuis Bangui en Centrafrique pour Grand Reporter. Dans cette troisième émission de Grand Reporter en Centrafrique, nous allons parler de l'opposition et de la politique en Centrafrique. Un de mes invités utilise une formule choc. Il dit d'un des opposants au président Touadéra que c'est un soldat de l'impérialisme. J'ai intitulé cette troisième émission « Les petits soldats de l'impérialisme » parce que la Centrafrique a une caractéristique. On n'y retrouve pas cette opposition Made in USA moderne, celle des réseaux de George Soros, Mo Ibrahim ou Hélène Johnson-Sirleaf. On y retrouve en fait un héritage des réseaux de Focard. Les opposants au président Touadéra, que ce soit ceux au Parlement ou que ce soit ces officines, ces faux médias africains qui lancent fake news après fake news avec des noms très judicieux comme le corbeau ou le tsunami, ce ne sont pas du tout des opposants modernes made in USA, ce sont les enfants de Focard, de celui que l'historien Jean-Pierre Batte des réseaux Focard a appelé la fabrique des arbouses dans son livre retentissant, je les ai moi appelés les petits soldats de l'impérialisme. Stabilisation, bien entendu. Il y a, au milieu de tout ça, on a un peu l'impression qu'à Paris, certains milieux ont voulu saboter la présence du président Touadéra à Sochi. Le jour où Touadéra s'envole pour Sochi, Mekassoua arrive à Bangui et il tente d'organiser des émeutes. Mais vous savez, Mekassoua, c'est le soldat de l'impérialisme. Naturellement, il ne peut que le faire. Il ne peut que le faire. Il est dans son rôle. Mekassoua ne peut jamais se présenter devant le peuple pour être voté. Il ne peut que dire, je ne peux qu'arriver au pouvoir par les armes sur le sang des Centrafricains. Pourquoi? Parce qu'on a quelqu'un derrière soi? Parce qu'on connaît du monde? Mais écoutez, monsieur, il faut arrêter. Mekassoua ne peut jamais devenir président en Centrafrique par la voie des urnes. Non, c'est faux. Dans cette émission, vous nous avez longuement parlé de sans doute celui qui est le personnage le plus controversé de la politique centrafricaine, M. Karim Mekassoua. Nous avons eu aussi un entretien avec le vice-président de l'Assemblée nationale. Lui nous a expliqué pour le nombre impressionnant de malversations pour lequel il a été éjecté du patchwork de l'Assemblée. Qui est Karim Mekassoua? Merci, M. Luc, m'avoir donné l'opportunité de parler de Karim Mekassoua. Réellement, c'est une personne très très dangereuse pour la Centrafrique. Je peux dire également que Mekassoua, c'est un délinquant de la politique centrafricaine. Si on a connu, si vous connaissez également des problèmes en Centrafrique, l'origine c'est Mekassoua.
De l'avènement de la démocratie en 90, tout le monde sait quel rôle Bikasso a joué. Quel rôle Bikasso a joué, mais beaucoup plus négatif, pas positif. Donc, Bikasso que vous voyez, je le connais mieux que quiconque. C'est vraiment un délinquant. Quand je dis délinquant, je pèse mes mots, c'est un délinquant. Parce que c'est un prisonnier. Il a fait la prison à Nice pour trafic de drogue. C'est là-bas qu'il est devenu taupe pour la police française, évidemment. Et à partir de là, il a fait connaissance de la Saint-Florentine de Moupandi à sa sortie de la prison. Et Moupandi, c'est la personne qui a mis les pieds de Karim Bikasso dans l'étrier politique. Et naturellement, tout le monde sait comment Moupandi a terminé. Mais dans le testament que Moupandi a laissé à ses partisans, le PIB. Il faudrait qu'on demande à une dame, Léa Douda, de lire le testament que Moupandi a laissé. Que dit Moupandi dans son testament concernant Bikasso? Ça va édifier tout le monde. Qui est cette personne? Qui est ce personnage? Donc voilà le résumé de tout ça. 2003, qui est-ce qui a créé au effort? Qui a fabriqué Bouzizi, la révélation de Bouzizi, Bikasso en tête, comme agence politique. Aujourd'hui, vous avez un média en ligne qui se dit sur le tsunami, animé par un certain Edouard Yamari, appuyé par Henri Grout. Henri Grout était qui? Parce que l'agence politique de Bouzizi à l'époque, c'était quoi? Le CPC, ça veut dire concertation des patriotes centrafricains. Bikasso, secrétaire général, Henri Grout, secrétaire général adjoint. Donc naturellement, faites la somme de tout ça, vous comprendrez, vous conviendrez également avec moi qu'ils sont à l'origine de beaucoup de choses, raison pour laquelle, sur les réseaux sociaux, il ne faut que cultiver la haine contre les Centrafricains. Évoquer peut-être la personnalité politique la plus controversée en Centrafrique, c'est Karim Bikasso. Pourquoi a-t-il été tout d'abord renvoyé? À l'époque, les Français ont dit que c'est parce qu'il était pro-français et que c'était lié à l'arrivée des Russes. Personne n'a jamais éclairci ce problème. Et deuxièmement, au moment même où le président partait à Sochi, où il a été une des grandes vedettes du sommet Russie-Afrique, on a vu Bikasso rentrer à Bangui et se livrer une attaque violente contre lui. Comment appréhendez-vous tout cela? Je vous remercie. Je pense que la France fait une erreur. Le gouvernement français fait, je le dis avec solennité, et j'ai fait mes études en France. J'ai des parents en France. Mais j'ai dit que le gouvernement français fait vraiment une grave erreur en soutenant une personnalité, comme vous l'avez si bien dit, très controversée, comme Karim Bikasso. Karim est le député qui n'a jamais été élu et qui est là à l'Assemblée nationale. Hein? Pour être élu député, au premier tour, il faut avoir atteint la majorité, c'est-à-dire 50%. Au second tour, il n'y a plus de majorité, mais il faut avoir plus de voix que les autres candidats. Mais il se trouve que Karim Bikasso n'a été élu qu'avec 36 voix. Je ne dis pas 36%, mais 36 voix. C'est énorme. Oui, 36 voix parce que les résultats de tous les bureaux de vote où il a échoué ont été annulés. Et il n'y a que le résultat d'un seul bureau de vote où il a eu 36 voix par rapport aux autres, que c'est ce résultat-là qui a été considéré. Et c'est ce résultat-là qui a fait de Karim Bikasso député à l'Assemblée nationale. 36 voix, pas 36%, je répète bien, 36 voix. Deuxièmement, quand il a été élu, il a tout de suite nourri l'ambition d'être au perchoir.
d'être le président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Il a fait venir des costumes. Pantalons, chemises, cravates, souliers, pour distribuer aux députés. Il y en a qui ont pris. Mais il y en a d'autres, avertis, qui ont refusé de prendre ces choses-là. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle corruption. Mekassoua a invité des gens au restaurant Équateur, où il a annoncé publiquement que c'est le président de la République qui l'a désigné comme prochain président de l'Assemblée nationale. Naïvement, nous y avons cru. Je dis bien naïvement. Nous y avons cru. Et le jour du vote, Mekassoua a été élu député, élu président de l'Assemblée nationale. En passant, il a dit, lors de sa présentation à ses collègues, il a dit qu'il allait faire venir à chaque député, par ses propres moyens, des véhicules. Qu'il va doter l'Assemblée nationale, les membres de l'Assemblée nationale, des véhicules achetés par ses propres moyens. Première promesse. Deuxième promesse, il a dit que les kits des députés, la médaille que nous portons là, kit, c'est-à-dire une médaille, il y en a deux, une grosse médaille et une petite, et le foulard des députés, qu'il a acheté ça sur ses fonds propres. Parce que nous les avons eus avant le jour même de notre installation, contrairement aux habitudes. Que c'est lui qui a acheté ça là, sur fonds propres pour les députés. Et nous avons commencé à travailler. On a mis en place le bureau. Moi, je n'étais pas dans le bureau à l'époque. Après, nous nous sommes rendus compte que ce monsieur-là, d'une incompétence, je pèse bien mon mot, d'une incompétence notoire. Parce que pendant tout le temps que Mekassoua a mis au bureau, Mekassoua n'a jamais présenté un seul rapport d'activité du bureau. Et ça, ceci en violation des dispositions du règlement et de la loi portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Lequel règlement intérieur a été rédigé par son conseiller juridique et que nous avons amendé ensemble. Et ensuite, quand on a enlevé tous ceux qui étaient avec lui au bureau, les gens de son parti, les premiers membres du bureau à l'époque, c'était que des gens du chemin de l'espérance, que j'appelle souvent chemin de croix. Donc chemin de l'espérance. Et le premier vice-président était du chemin de l'espérance, le deuxième vice-président était du chemin de l'espérance, le quatrième vice-président était du chemin de l'espérance, le troisième vice-président était du chemin de l'espérance. Et ça également, c'est en violation des dispositions du règlement intérieur qui dit que le bureau de l'Assemblée nationale doit refléter le paysage politique de l'Assemblée nationale, tel que le bureau d'aujourd'hui. Vous trouvez dans ce bureau les gens de... Ce bureau est aujourd'hui composé de tout le monde. Femmes, opposition, majorité, centriste. Tout le monde est là-dedans, musulmans, chrétiens. Nous sommes tous là-dedans. Ensuite, Mekassoua est parti en France. Il a prétendu qu'il était malade. Nous y avons cru. Encore une fois, naïvement. Il est parti en France. Et après lui, nous nous sommes rendus compte. Parce qu'il y a eu un problème derrière, après lui. C'est le problème des kits. Que la valeur de ces kits-là était de 322 millions. Qu'il a acheté ces kits-là à 322 millions. Et que monsieur, contrairement à ce qu'il nous a dit, que les kits étaient achetés sur ce fonds propre et qu'il nous les a donnés gratuitement, ces kits-là, finalement, il est en train de les faire acheter, payer, enfin, de se faire rembourser par l'Assemblée nationale. Il y a eu un premier document, le premier appel de fonds, c'est signé Mekassoua, 100 millions. Deuxième appel de fonds, signé Mekassoua, 100 millions, donc 200 millions. Il restait 122 millions. Les 122 millions, après lui, la dame qui lui a fourni les kits, cette dame-là a déposé plainte. Puisque Mekassoua refusait de payer la dernière tranche qui était de 122 millions. Elle a déposé plainte et le premier vice-président a dit donc
signé le dernier appel de fonds de 122 millions pour payer les, pour compléter, pour que la facture de 322 millions soit payée. Pire, ces kits-là n'ont pas été réceptionnés à l'Assemblée nationale, mais plutôt au bureau du parti de Mégasson. Ils ont été reçus là-bas. Pire encore, ces kits-là n'ont pas été reçus par les personnes indiquées. Ils ont été reçus, réceptionnés par les membres de son parti, y compris son frère. Oui, alors que généralement, ces kits-là, le prix général, c'est 25 à 28 millions, toutes les législatures. Et nous avons été choqués. Il y a de quoi. Quand on a appris que c'est 322 millions. Mais nous avons respecté la règle, parce que celui qui a initié la destruction de Mégasson, c'était moi. Dimbélé, j'ai écrit d'abord à Mégasson lui-même. Et je lui ai dit que je vais engager une poursuite contre lui du fait que je suis député, donc j'ai des intérêts. Et que je vais engager une motion, une procédure de destitution le concernant. C'est ce que nous avons fait. J'ai fait une conférence de presse avec certains députés pour dire que Mégasson, contrairement à ce qu'il nous a annoncé, que les kits étaient achetés par lui-même, Mégasson a fait acheter les kits par l'Assemblée nationale dans des conditions opaques et que nous ne pouvons pas pardonner cela. Et on a distribué des tracts aux députés qui ont lu. Il n'y a pas que ça. Il a passé un marché avec son propre petit frère. Le nom de la société de son petit frère, c'est Obeker. Soi-disant, pour remédier au problème de la toiture de l'Assemblée nationale qui chante en permanence. Monsieur, le problème demeure. Le marché, c'est de 45 millions pour un pays pauvre comme nous. Mais cette toiture n'a jamais été arrangée. Il n'a jamais respecté la procédure de marché public. Jamais. Il a également, avec son petit frère, il a désigné son petit frère pour faire un marché de réfection du sol de l'Assemblée nationale. 25 millions. Ça n'a jamais été fait. Et ce marché ne respecte pas les règles de passation de marché public. Et nous avons ramassé tout ça, toutes ces preuves. Nous avons ramassé toutes ces preuves. Et nous avons montré aux collègues. Et les collègues, on lui a laissé le temps de s'exprimer. Je vous dis que nous avons suivi la procédure prescrite. On lui a posé des questions à la conférence du président. Et en plénière, il n'a pas répondu à ces questions-là. Et même, je dis ça en rigolant, mais c'est la vérité, il s'est même enfoncé. Parce que ce jour-là, je me rappelle, il a demandé au premier secrétaire parlementaire de lire un document par lequel il sollicitait du directeur général des marchés publics de l'État la possibilité d'un marché gré à gré. Mais il a simplement, est-ce qu'il a oublié, est-ce qu'il a fait exprès, est-ce que c'est par ignorance? Mais quand le premier secrétaire parlementaire a lu, mais il a lu la réponse du directeur général des marchés publics qui disait qu'il y avait opposition. Est-ce qu'il ne comprend pas le mot opposition? Voilà. Donc, vous voyez dans quelles conditions Mégasson a été enlevé. Ce n'est pas à cause des Russes. Non. Donc, ce n'est vraiment pas. Les Russes n'ont rien à voir avec. Un dossier de malversation. C'était des malversations. Et son grand retour, il y a quelques jours. Son grand retour. On va terminer là-dessus. Comment jugez-vous? Oui, ce grand retour, c'est une provocation. C'est pour cela que j'ai dit que la France n'a pas à soutenir ce monsieur-là. Parce que plus la France soutient Mégasson, plus la France va soulever les Centrafricains contre elle. Les Centrafricains pensent que ce monsieur-là est derrière beaucoup de choses. Nous, on n'est pas contre les Français, nous, les Centrafricains. Beaucoup de Centrafricains ont fait leurs études en France. Beaucoup de cadres Centrafricains. Mais nous sommes un pays souverain. Nous pouvons avoir des relations avec tout le monde. Et moi j'ai l'habitude de le dire, si les Russes, s'il vous plaît, si les Russes n'avaient pas été là, on serait encore en train de tuer des Centrafricains. La guerre-là n'aurait pas pris fin. Il n'aurait jamais eu des avancées jusqu'à présent. Mais c'est parce que
ces Russes-là sont là. Mais c'est parce que les autres ont appris que les Russes ont donné des armes. Mais c'est parce que les autres appellent que les Russes sont en train de former des Centrafricains à Bérégo. Mais c'est parce que les gens apprennent que les Russes sont là-bas. Non, on nous pose la question de savoir est-ce qu'il y a des contreparties de mine. Je suis député. Moi, depuis que je suis là, on n'a enregistré qu'une seule demande russe. Et c'était avant même l'arrivée des Russes ici. Une seule demande de permis russe. Mais c'est avant que... Voilà, ça c'est également une des causes du départ de Mégassoi, les permis miniers. C'est Mégassoi qui a saisi la Cour constitutionnelle pour leur demander que les dispositions de l'article 60 de la Constitution, que les accords ne soient, les demandes d'accord ne soient examinées que par le bureau, alors que l'Assemblée nationale ne fonctionne que par débat parlementaire. Mais il a fait arrêter ça net. Donc c'est le bureau qui examinait le dossier et qui accordait, qui donnait au gouvernement l'accord de délivrer des permis. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons plus d'une dizaine de permis et des sociétés qui tuent l'économie, qui tuent l'environnement centrafricain, tout et tout. Mais c'est lui qui était président de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, on a changé de méthode. Quand ces demandes-là arrivent, on les envoie à la commission chargée du dossier. Et aujourd'hui, nous avons également, nous avons poussé plus loin. Désormais, on va aller en plénière avec cette demande-là. Donc, vous voyez, et moi, je suis pas contre la France. Je suis pro-français. Je ne suis pas contre la France. Mais j'ai dit, il ne faut pas que la France continue d'agir en Centrafrique comme si on était encore en 1960. Ou comme si on était encore en 1950. Il y a des choses ici qui soulève les Centrafricains contre les Français. Un, quand Boubène était mort, tous les Centrafricains pensent que ce sont les Français qui l'ont tué. Tout le monde pense ça. Deux, quand Dakou est arrivé au pouvoir, tout le monde pense que c'est la France qui a biaisé les règles parce que c'est Koumba qui devait arriver. Tout le monde sait ça. En 1966, quand on a enlevé Dakou pour mettre Bokassa, tout le monde est au courant que c'est avec les services secrets français, c'est avec les services français que c'est arrivé. En 1979, pire, les Français ont pris Dakou dans leur avion, ils sont venus installer au pouvoir. Où est-ce qu'on a vu ça? Où est-ce qu'on a vu ça? Ils sont venus installer Dakou au pouvoir en Centrafrique, au vu et au sud de tout le monde. Personne n'a applaudi à l'époque. Vous savez que Dakou, c'était un des présidents aimés en Centrafrique. Hein? Et en 1992-93, lorsque Patassé est arrivé au pouvoir, et quand Patassé a déclaré qu'on n'était pas la main de Mandian, et nous savons que tout ce qui en est suivi, avec des frappes, des mutins, tout par l'aviation française, tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Et le départ de Bozizé du pouvoir, tout le monde sait qu'il y avait un deal entre le gouvernement français et le président Déby. Aide-nous au Mali. Et nous te permettrons de régler ton compte avec Bozizé. Ça nous change, nous le savons. Nous le savons. C'est le deal. Et aujourd'hui, Bozizé a demandé à la France d'aider le gouvernement centrafricain à arrêter la syndicat. Le gouvernement français a refusé. L'ambassadeur de France qui était là a refusé. Mais ils n'ont pas appliqué les accords militaires. Mais voilà. Et aujourd'hui, la RCA est dans cette situation. Parce que la France n'a pas fait en Centrafrique ce qu'elle fait au Tchad. Quand elle frappe des rebelles tchadiens qui sont des Tchadiens, et nous suivons la télé, nous suivons la radio, qui peut accepter ça? Et moi, je ne vous cache pas, je pense que vous voyez de plus en plus la Russie est vraiment, on souhaite bienvenue, tout le monde tend la main à la Russie, on demande à la Russie de venir en Afrique. Pour peut-être changer les choses. On demande aux Chinois de venir en Afrique pour peut-être changer les choses. Voilà ce qui se passe. Donc, moi, je dis que la France n'a pas appuyé le président Mégassoi. C'est une grosse erreur. C'est vraiment une très, très grosse erreur. Et dans les jours à venir, le président Mégassoi, depuis sa destitution, ne vient plus à l'Assemblée nationale. Donc, nous sommes en train de monter la procédure de l'enlever de l'Assemblée nationale. Pour faire siéger son suppléant, c'est la règle. Lorsqu'on est absent à deux ou trois sessions successives,
Mais on perd son titre de député au profit de son suppléant. On suppose qu'on est en empêchement temporaire ou définitif, donc on perd son titre de député. Nous sommes également un certain nombre de députés ici à saisir la justice par rapport au détournement des 322 millions. Il doit justifier. Voilà sur Mikasso. On va en revenir à cette série de fausses rumeurs, mais qui prennent, puisqu'elles sont reprises par des médias officiels. On en débat parfois. Vous êtes notamment, on a tenté de vous mouiller, c'est l'histoire, il y a deux grandes affaires. Il y a l'affaire du putsch de Bongomo contre Gagnéma Massogo. Mais il y a aujourd'hui une nouvelle affaire, on vous accuse à nouveau de comploter avec le président Todera pour faire un putsch à Djamena contre Idriss Déby. Quand on voit tout ça, moi, mon avis, mais je voudrais le vôtre, c'est que certains veulent à tout prix fâcher Touadéra avec Idriss Déby, No et Ogbemdéma Massogo, c'est-à-dire trois présidents qui sont en pointe dans le panafricanisme. Est-ce que c'est votre avis? Vous savez, c'est tellement ridicule que je crois même que Déby n'a pas pris ça au sérieux. C'est tellement ridicule. Hein. Même l'affaire de la Guinée équatoriale, c'est trop ridicule. C'est vrai, dans l'affaire de la Guinée équatoriale, j'ai un de mes cadets, je ne dis pas, un de mon cadet, qui a 42 ans, c'est pas un gamin, qui fait partie des gens qu'on a arrêtés au Cameroun. Mais cela ne veut pas dire que c'est toute la famille Yalo. Cela ne veut pas dire que c'est Sani Yalo, qui est son grand frère, qui l'a poussé à aller sur ce chemin. Non. Aujourd'hui, on accuse Sani Yalo d'avoir peut-être vouloir déstabiliser le Tchad. Mais par quoi et par comment? Déjà, on a notre propre problème ensemble. Comment on va aller déstabiliser un pays frère qui nous a toujours aidés également comme l'agriculteur. Vous savez, on n'est pas responsable de sa famille. Moi-même, je suis quelqu'un qui combat les fameux réseaux libéraux, ce qu'on a appelé la France-Afrique à la Belge, mais j'ai un de mes cousins qui était député libéral. Nous ne sommes pas parlé depuis 40 ans. Vous savez, quand vous prenez des relations comme ça, c'est facile votre cadet. Mais ça servit à détonateur. Non, vous savez, l'histoire entre la RCA et le Tchad, on ne peut pas dire que nous sommes des ennemis, jamais. Entre le président Touadéra et le président Déby, c'est les frères. Déby, c'est le grand frère, Touadéra, c'est le petit frère. Déby, c'est l'ancien, Touadéra, c'est le jeune. Chez nous, le respect dû à un ancien, à un grand frère, est sacré en Afrique. Le président Touadéra doit beaucoup de respect au président Déby, comme il le doit également au président Obiang. Pourquoi aller les déstabiliser? Pour quelles raisons? Mais il ne le fera pas, et moi non plus. On n'a pas ni les moyens matériels, ni les moyens financiers, ni les moyens humains pour le faire. On ne peut pas déstabiliser un pays avec la bouche. Pour terminer cet entretien, on va parler un peu de vous. Il y a un ami français diplomate, il m'a dit « Touadéra, c'est une énigme ». Bon, vous êtes, on a discuté avec des politiciens locaux, et vous n'êtes pas en fait l'inconnu qu'on présentait dans la presse française. Vous avez été premier ministre, vous avez été recteur d'université, mais qu'est-ce qui a décidé le président Touadéra à s'engager dans une tâche titanesque qui est la reconstruction de la Centrafrique? Mais je suis un Centrafricain. Je suis un Centrafricain, c'est difficile de parler de soi-même, mais je suis un Centrafricain, je vois la situation de mon pays, surtout que
cette crise qui, de mémoire de Centrafricain, n'a jamais connue et qui a ébranlé l'unité nationale, qui a mis à mal l'économie du pays. Vous avez mentionné, j'étais Premier ministre, il y a eu du travail qui a été fait. Je pense que je pouvais apporter ma modeste contribution à la reconstruction de ce pays. Et le peuple centrafricain m'a fait confiance dans sa grande majorité. Et à travers le projet de société que j'avais présenté en ce temps-là, qui m'a fait confiance, le peuple m'a fait confiance. Donc c'est ce que nous essayons de faire. Dites que je ne suis pas un inconnu, ça c'est vrai, mais vous savez que j'étais un enseignant pendant très longtemps, j'ai enseigné à l'université ou dans les écoles normales. Pour nos spectateurs, vous êtes spécialiste en mathématiques. Et merci beaucoup. Et donc, je pense que le travail que nous sommes en train de faire avec le gouvernement, il y a des avancées vers la paix, il y a des avancées sur le plan économique, il y a des avancées sur le plan social. Je crois que c'est important de le mentionner, parce que nous revenons de loin, de très 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 loin. Et ça, il faut le reconnaître, et le peuple le reconnaît. Moi, j'ai fait je vais régulièrement en province quand c'est possible pour rencontrer la population, échanger, mais c'est avec beaucoup de ferveur que cette population nous... Parce que cette population voit les réalités, voit les réalisations. Et c'est sincère ce que nous faisons. Il y a encore des défis, parce que nous revenons de loin et nous voulons mobiliser l'ensemble de notre population à travailler dans une direction. Et je crois que la direction que nous indiquons est la bonne, en tout cas pour l'instant. Mais nous sommes soutenus par cette population. Vous êtes un homme qui a quand même gardé la modestie. Il n'y a pas, je vais dire, un peu l'hypertrophie des ors de la République, comme ils disent en France. Vous n'avez pas d'avion personnel, par exemple. Vous avez un train de vie modeste. Pourquoi est-ce qu'à côté de ça, lorsqu'on arrive dans une certaine presse internationale, tout le monde vous attaque? Bon, je ne sais pas, mais je travaille pour le peuple centrafricain. Et je travaille par rapport à la limite des moyens de l'État. On ne peut pas... Et je travaille pour ce peuple. Donc, nous n'avons pas les moyens que d'autres ont. Et nous travaillons en toute transparence. Je venais de vous dire que nous sommes sous programme avec le Fonds monétaire international depuis ma prise de fonction. Pendant les 3 ans. On a 3 ans. C'est en juillet que le programme est terminé. 6 revues. 6 revues qui sont positives sur la gouvernance économique, la gouvernance financière. Et nous avons beaucoup de réformes au niveau des finances publiques. Bon, les gens accusent, parlent comme ça, pour faire de la politique, de la diversion, font des accusations fallacieuses, mais n'apportent aucune preuve de ce qu'ils disent. Ben, et justement, c'est pour décourager les gens. Mais vous savez, c'est une manière de faire de la politique que nous désapprouvons. Mais en tout cas, la population voit les réalités, comment nous vivons avec les ressources qui sont à la disposition de l'État, comment nous gérons les choses correctement. Évidemment, il y a encore des réformes à faire sur lesquelles nous travaillons. Nous sommes en train de demander au Fonds monétaire international d'ouvrir un nouveau programme. Nous sommes en discussion là-dessus, mais c'est toutes ces questions-là, la transparence, la lutte contre la corruption. Nous avons mis en place les institutions. Vous savez que c'est la première fois dans notre pays, bien que ça figure dans nos différentes constitutions, la Haute Cour de justice, c'est maintenant. C'est la première fois qu'on met en place. Pourquoi on le fait? Parce que nous pensons qu'il faut agir dans la transparence. Nul est au-dessus de la loi. Et nous travaillons pour que la justice fasse son travail. Et qu'on ne peut pas construire une paix sans la justice. Et la justice est pour tout le monde. Personne ne peut se dérober. Et donc on travaille dans ce sens-là. Et bien entendu, vous savez, il y a beaucoup cette attitude
leur plaît pas, évidemment, pour ils font circuler des fausses informations, des fake news pour déstabiliser. Ce sont des actes de déstabilisation. À votre niveau, c'est quasiment une production hebdomadaire. Mais en tout cas, le peuple, la population centrafricaine, voit comment nous travaillons et nous demandons à cela de venir en Centrafrique. Comme vous le faites, ne vous êtes pas resté là-bas pour écouter, vous êtes venu, vous êtes allé, comme vous l'avez mentionné, à Climaré. C'est le principe de grand reporter, c'est qu'on ne se contente pas de ce qu'on raconte. Vous avez rencontré certainement la population avec qui vous êtes entretenu en toute liberté. Ça vous permet de voir les réalités, pas les informations fabriquées à dessein pour déstabiliser un pays qui est pauvre, qui est aujourd'hui, qui cherche une population, qui cherche à sortir d'une situation difficile. Et beaucoup se complaisent à l'enfoncer, à continuer à l'enfoncer, à vouloir perpétrer la violence, à perpétrer la pauvreté. Vous ne pensez pas que ces gens vont essayer de saboter la prochaine élection présidentielle ? Mais ils veulent le faire, mais ça ne peut pas se faire également. Ça, c'est leur souhait. Mais ils n'arriveront jamais. On va aller aux élections. Et je suis certain que le président Padera va gagner